transmettre, mettre en l'air notre culture créole en ce journée mondiale de la diversité culturelle. Navé de Moon en Pontiac pour célèbre ça par côté Montgaillard aujourd'hui. Donc langue causée, zerbaz, musique pays, t'es à l'honneur. Mais cette année, la mettre l'accent sur le Kermazinaz, nos ancêtres, histoire La Réunion. Allons cause de ça avec nos invités en plateau. Bonsoir, Sully Andoche. Bonsoir. Raconte l'histoire de notre pays, ça c'est Hautes Affaires, ou les conteurs, par côté où, Nena David André, secrétaire de l'Institut National des Seychelles. Criquer, craquer, la raisonne deux, trois fois, mon gars, aujourd'hui, Sully Andoche. Oui. Alors, on avait un sommet de cause aussi, hein, sur le bon compte et les gens de La Réunion. Que ça y ressorte, nos bonnes traditions, il est là, il faut continuer à préserver, il faut continuer à transmettre ça à nos bonnes marmailles. Ouais, mais déjà, si, il cause histoire dans de bonnes institutions, mais trouve l'important. Avant, moi, il ne fallait pas rêver, quoi. Et comme on dit, l'important de transmettre sa bonne marmaille pour montrer que le racontage d'histoire, c'est pas juste un amusement, c'est aussi un amusement, bien sûr, en premier, mais c'est aussi une manière de transmettre notre langue, notre manière de causer, notre manière de voir le monde, voir les choses, et ça, Si nous raconteurs nous racontent pas, et si nos bonnes institutions ne causent pas de ça, et ben l'affaire va casser. Et là, ils cassent pas, au contraire, la train de tresser, trop gaillard. Et ben, il y a justement une proposition de loi du député Frédéric Maillot, elle a été adoptée à l'Assemblée pour que bonne marmaille y apprenne la bonne langue régionale dès la maternelle. David André, justement, les choses tilant peu, y avancent, notamment la Réunion, mais aux Seychelles, le créole, il est partout. Expliquez-nous un peu comment il est la situation là-bas. Mais Seychelles, créole, il y a la langue officielle, pareil, nous avons les autres langues officielles, anglais, français. Le créole, il est enseigné dans l'école, et nous avons une publication dans un journal en créole, et aussi, par exemple, dans l'instance officielle, pareil, l'Assemblée nationale, ou bien dans un discours officiel national, la langue créole est bien établie. Et je suis capable de dire avec fierté que bon, c'est ce loi. Nous fiers de la langue créole et nous sommes contents de partager ça l'idée, ça l'esprit avec nous, les autres frères et sœurs créoles. Langue créole, donc un fierté, Sully Andoche, ou transmettre justement hein, ce tradition, notre littérature orale. Ce littérature orale, c'est aussi notre l'identité créole. Bien sûr. Ben, déjà, quand un affaire, il sort de la bouche, l'important, mais qu'il mette dans un livre aussi, là, il pose à lui aussi. Hein. Donc, l'important aussi que nous transmettons ça par tous les moyens nous peut. Et pour moi, la transmission, il n'est pas seulement d'abord par la parole. La transmission compte, c'est d'abord par la parole. C'est ça l'oralité, c'est ça l'important. Mais il faut transmettre à lui par toute manière, parce qu'il faut les graver comme elle est là. Parce que sinon, tout ça va vite. Hein. Tu comprends? David André, le président du CCEE qui organise ce journée-là, il dit qu'il est important de prendre conscience que nous les composés d'un société où de Moon, ils viennent partout. C'est ça notre créolité. Un créole que les possibles ensemble aussi nos voisins, Seychelles, Maurice, Rodrigue. Nous, il y en a vraiment un socle commun. Il faut nous prendre ça aussi en considération, nous, en tant que créoles. Absolument, mais c'est ça qui fait nous uniques dans le monde. Et mon tout le temps dit qu'il... Kilti créole, il s'acquitte l'avenir, il s'acquitte qui promouvoir la tolérance, la paix, la solidarité, parce que nous tous nous sortons dans différentes origines, mais seulement nous regroupons ensemble un territoire, peu importe nous l'origine, nos croyances, mais nous identifions nous comme un peuple créole, et ça peuple créole qui amène tout le bon valeur et qui n'en vit pas avec tout le monde. Et moi, j'ai souhaité que ça Kilti créole il gagne reconnaître, par exemple, à l'UNESCO comme un patrimoine immatériel, un séjour. Merci bon peu pour ce bon gaillard message pour nous de langue causée, le créole. Merci Sully Andoche et David André d'avoir répondu à toutes nos bonnes questions. Merci à vous. Merci à Zot.